Amicia, pourquoi ils veulent nous attraper? Je sais pas. Je peux pas y penser maintenant. On dira à Laurentius qu'il nous amène voir papa et maman? Oui. On fera ça. Où sont passés les gens? Ils sont vraiment très grands. Ils vont rien te faire. C'est quoi ces bruits? Ils sont malades? Ils se dégagent, les naseaux. Allez, on doit y aller. Ah, des pommes. Hugo, c'est pas le moment. Mais... Ne touche pas. Tout est pourri. Mais j'ai faim. Comment tu peux penser à manger? Je vois de la fumée. Il doit y avoir du monde. S'il vous plaît, attendez! Madame? Qu'est-ce qui leur arrive? Elles ont eu peur. S'il vous plaît, je suis la fille du seigneur Robert de Rune. Nous avons été attaqués. Nous avons besoin d'aide. S'il vous plaît, il fait froid. Il y a quelqu'un? Je suis avec mon petit frère. Il y a eu une attaque au domaine de Rune. Aidez-nous, par pitié. On est mouillés et on a faim. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quelqu'un? Nous avons besoin d'aide. Personne ne veut nous ouvrir. Qu'est-ce qu'ils ont tous? C'est pas vrai. Il se cache. On a trop attendu. Il faut qu'on parte d'ici, je te dis. Et pour aller où? On perdra. Il y a quelqu'un. On viendra plus tard, quand ça ira mieux. Mais non, on sera mort avant que les choses aillent mieux. Ça suffit. Je veux plus en parler. S'il vous plaît, quelqu'un pourrait nous aider? Allez-vous-en. On veut pas de vous ici. Mais je suis la fille de votre seigneur.
Oh, regarde, des dessins sur les portes. Reviens. Ça veut dire qu'il y a des gens malades dans ces maisons. Ne touche à rien. Ah, ils n'ont pas le droit de sortir. C'est plus grave que ça. Ça veut dire qu'on peut attraper leur maladie. Alors arrête de courir partout. Oui, pardon. Il y a eu un feu. Ils ont brûlé tous les meubles. Le village est contaminé. C'est pour ça qu'il se cache. Oh, ça sent la viande grillée. C'est une fête ? Ça ressemble pas à une fête. Regardez qui voilà. C'est le reste de la bande. Quoi ? Non ! Attendez, nous sommes à la recherche de quelqu'un. Eh ben, vous l'avez trouvé. C'est votre musique infernale qui l'a fait sortir, hein ? Cette sale vermine qui envahit notre église. Ce fléau qui attaque nos enfants dans leur lit et qui leur inflige le mal noir. Mais vous êtes tombé sur Conrad Malfort. Et je vous le dis, c'est le dernier village que vous infectez. Amicia ! Viens vite ! Qu'est-ce qui se passe, Amicia ? Par le parcours ! Mais pourquoi ils sont en colère ? Ils vont nous brûler, nous aussi ? Il faut qu'on se cache, Amicia ! Ici, à l'intérieur, vite ! C'est calme, ici. Il va nous voir. Ne bouge pas. J'ai plus qu'à attendre qu'ils se pointent. Je pourrai pas les rater. Ce bruit. Allez. Chut, chut. C'est bon, on y est. C'était rien. On l'a bien eu. On va. Hugo, cours aussi vite que tu peux. Là, le mur. Ils arrivent. Vite, vite. On n'aurait jamais dû venir ici. Pourquoi ils font ça? Ils pensent qu'on a amené le mal chez eux. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. Grimper dessus maintenant. La tâche a l'air fragile. Mais ça va faire du bruit, non ? T'as une meilleure idée, peut-être ? Je reviens. Ne fais pas de bruit, d'accord ? Je... Oui.
c'est bon. Tu peux venir. J'arrive. On va pousser ça. D'accord. Aide-moi à pousser. Viens m'aider. Oui. Monte, je vais t'aider. D'accord. S'en est sorti. On va partir d'ici alors. S'il nous retrouve pas d'ici là. Mais t'as la fronde, tu peux nous protéger. C'est pas si facile, Hugo. Oh. Des étrangers. Hey. Oh non, vite, vite. C'est quoi? Michel, vas-y, grimpe, passe devant. Elle a pas l'air solide, Amicia. Hugo, où est-ce que tu vas? Me laisse pas ici! Amicia, viens! Sur le côté! Oh, tu es là! J'ai trouvé ça pour que tu montes! Bonne idée! Je vais la faire tomber! Fais attention! Désolée pour l'échelle. C'est de ma faute. Tu avais raison. On doit rentrer à la maison. Non, on peut pas. Pas sans Laurentius. Amicia, cachons-nous. Alors, ils sont passés où? Conrad, on a encerclé le quartier. Ils étaient juste là, il y a 5 minutes. Vous encerclez un quartier à vous deux? C'est quoi cette blague? Appelez les autres et bloquez-moi ces ruelles. Si j'attrape ces deux marmots, je vais les renvoyer en enfer. Ils sortiront pas d'ici vivants. On y va. Conrad a perdu la tête depuis que son fils est mort. On brûle des innocents. On fait la chasse à des gamins. Alors que le fléau ravage le bien. Oh, Amicia, ta fronde fait trop de bruit. Tu as raison. C'était quoi ce vacarme? Ah.
Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Rien du tout. Oh non, encore eux! C'est par où? Je sais pas! Y'a aucune issue! Oh non! Vite, s'il te plaît! Je sais! Ça va pas les retenir longtemps. Vite! Ils savent qu'on est là! Non, elle est bloquée! Hugo, passe par là! Ouvre-moi! D'accord. Qu'est-ce que vous foutez tous ici? Vous froissez une planche! Tu peux l'enlever? Je sais! Fais vite! Vite, Hugo, je t'en supplie! J'arrive pas! Hugo, il est là! J'arrive! Hugo, fais quelque chose! Ah, oh. Je dois m'arrêter, Amicia! Continue, Hugo! Encore un tout petit effort! Entrez. Chut, Seigneur, c'est le coin le plus infecté du village. Ils sont où? On dira à Conrad qu'on les a perdus. Restons pas ici. Chut. Calmez-vous, c'est fini. Ils ne viendront pas vous chercher ici. Vous êtes trempés. Allez voir à l'étage. Il y a des habits pour vous dans un coffre. Vous êtes sûr? Merci. De l'encens. Ça sent la maison. Mère utilise elle-même. C'est mieux. Et toi? On doit aller chercher maman, Amicia. Non, pas encore. Elle nous a dit de trouver Laurentius. Mais c'est bête! On va se faire attraper! Hugo! On fera ce qu'elle a dit! Ne discute pas! Hugo, attends! They fit you. Good. They belonged to my grandchildren. Oh. My name is Clairvy. I'm Amicia. And this is Hugo. Say thank you, Hugo. Thank you. Clairvy, what is happening here? The plague. So many people dead. And those still alive have... But where are your parents? At home. They're waiting for us. We're looking for a doctor. Laurentius. A doctor? Perhaps... A man did come and help at the hospice early on. The monks might be able to tell you more, but... What? They haven't been seen recently. No one goes near the church anymore. It's all we have. We must go and see. You'll die there. But no one listens to old Clary anymore, so... Anyway, I see you have a sling. You're going to need it. But it'll be no use to you in that state. Go to the backyard. You'll find some new strips of leather there. And feel free to use the workshop in the next room for your repairs. That's very kind of you. Feel free to use the tools by the workshop. Bien, j'ai les outils. Il manque plus que le cuir.
Voilà le cuir. Bon, au travail maintenant. Allez, applique-toi, Amicia. C'est mieux. Avec de bons matériaux comme cela, je pourrais l'améliorer encore. Parfait. Il faut que j'aille remercier Clairvy. Ah. Alors ? C'est bien mieux. Merci, Clairvy. Merci pour tout. Il sait que vous les avez perdus. Ouais. Ils font pas de yeux, ça aussi, tu veux mon avis. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Lâche ce maillet! T'es idiot ou quoi? Je suis pas idiot! Ne crie pas! Les enfants! Ne faites pas de bruit! Je veux voir maman! Tais-toi! Tu vas nous faire tuer! Maman, elle nous protégerait! Ça suffit! Je veux voir maman! Maman est morte, Hugo! Tu la reverras jamais! Papa non plus! Amicia... Tu mens! Ils ont été tués à la maison. Tous les deux. Alors tais-toi! Menteuse! Menteuse, je te déteste! Arrêtez! Hugo, non! Hugo, attends! Ne sors pas, tu es fou! Hugo, reviens! C'est pas vrai! Où ils sont? Où ils sont, bordel? Oh non, il va nous faire tuer! Hugo, je t'en supplie! Je suis désolée, arrête-toi! Mon Dieu! Oh Seigneur! Hugo! J'aurais pas dû crier! S'il te plaît, écoute-moi! Non! Je suis désolée! Arrête de gigoter! On attend juste ta sœur. Oh mon Dieu! Hugo! Ça y est, la voilà! Moi, tu ne m'enterreras pas! Je vais commencer par toi! Pour
non. Pourquoi il a fallu que vous veniez ici? N'oubliez pas, faire ça. C'est comme ça que tu comptes me tuer? Il doit y avoir moyen de faire sauter son armure. Je suis juste un peu rouillé. Tu peux pas fuir. Crois-moi, je vais t'avoir. Allez, Conrad, montre-lui ce que tu sais faire. T'es rapide, mais il suffit d'un coup. Amicia, tu l'as tué. Regarde, Amicia. Oui, j'arrive. Peut-être une sortie? Wow! Pourquoi il y a des bougies? Les bougies, c'est... c'est pour montrer que tu penses à des gens. Oh! Je peux en allumer une? Si tu veux. Mais attention à pas te brûler. Merci.
Pour papa et maman. Veillez sur eux. C'est drôle, les voix ici. Oui, c'est l'écho. Eh oh ! Hugo, il y a peut-être des gens ici. Oh. Oh, un collier. C'est un chapelet. Ça sert à quoi ? À prier. Je peux parler à maman et papa avec ça ? Une barricade. C'est quoi ? C'est pour empêcher quelqu'un d'entrer ou de sortir. Pardonnez-moi pour le mal que je viens de faire. Je n'ai jamais... Amicia, tu me serres trop fort. Désolée. Monte. Elle va pas casser celle-là, hein? Non, Hugo, ça va aller. Amicia, y a quelqu'un. Les enfants, qu'est-ce que vous faites là? Mon père, on a besoin d'aide. Partez, c'est dangereux. Vous n'avez rien à faire là. Attendez, s'il vous plaît, c'est important. On doit aller lui parler. C'est lui qui sait où est Laurentius? Il faut que ce soit lui. Il le faut. Oh, ils ont tout cassé. Qu'est-ce qui se passe ici? Peut-être qu'ils bricolent des lits plus grands? Je ne pense pas, non. Je connais cette odeur. Ça sent les herbes médicinales. Les moines ont dû les mettre dans l'eau pour se purifier. Mère faisait pareil.
Des fleurs, elles sont belles. C'est des œillets, j'en avais dans mon herbier. Mais ceux-là sont plus beaux. Hugo, il faut qu'on continue. Attends, attends, viens. Qu'est-ce que tu... C'est pour te protéger. Et puis, c'est joli. Oh, d'accord. On peut y aller maintenant. Merci, Hugo. De rien. Mon père ? Encore vous ? Je vous ai dit de partir ! Un instant, s'il vous plaît ! Vous êtes inconscient ! Partez tant que vous le pouvez ! Je vous en supplie ! Quelqu'un doit nous aider ! Faites-le au moins pour lui ! Les armes de Robert de Rune. Nous sommes ses enfants. Nous cherchons Laurentius, le docteur. Vous le connaissez ? Oui, bien sûr. Je sais qu'il s'occupait de votre famille. Il m'a parlé de toi. Je suis le père Thomas. Votre présence ici n'est pas bon signe. L'Inquisition. Ils sont venus chez nous et... Je comprends. Mais ce qui se passe ici est bien pire encore. Vous devez partir au plus vite. Ou vous mourrez. Mais... Mon père, les gens du village ont voulu nous tuer. Oh, les fous. Oh, Laurentius, non. Je ne peux pas quitter l'église, mais une sortie. Par la crypte des Trois Saints, il y a peut-être un moyen. Je vais vous mettre sur le chemin de la ferme de Laurentius. Mais après ça, vous serez dans les mains du Tout-Puissant. Ça a l'air calme pour le moment. Venez. Quoi qu'il arrive, restez bien dans la lumière. Mon père, les portes marquées d'une croix dans le village, de quel mal s'agit-il ? Ça a commencé par des morsures, la nuit. Puis, la maladie s'est propagée. D'abord dans les familles et chez tout le monde. La fièvre, les bubons, les gens ont commencé à mourir. Quand on a compris d'où ça venait, il était déjà trop tard. Et ça venait d'où ? Nous approchons. Frère Morel doit être ici. Nous sommes les deux derniers. Morel, restez ici. Frère Morel. Frère Morel. Mais qu'est-ce que tu as ? Mon père ? Non, non, non. Oh, oh non ! La lumière ! Mon père, non ! Vite !
Quoi? Ils nous ont pas. Le père a parlé d'une issue, par la crypte. Amicia, les trois statues! La crypte des trois saints, c'est la sortie dont parlait le père. Il faut tenter un autre chemin. Je vais t'aider. D'accord. Pouvoir le faire tomber. Ils les ont tous mangés. Ne regarde pas, Hugo. Il ne peut plus rien pour eux. C'est horrible. Je sais. Allez. Passe devant. D'accord. Suis-moi. Oui. Vas-y, monte. Passer en même temps. Par ici, là. Oui. Ils font trop de bruit. Trop de bruit! Hugo, calme-toi!
Pas mal. Pas mal du tout. Pas de rats. Un autre jambon, ça devrait aller. Allez, viens. En bas, les trois saints. D'accord, soyons prudents. Va par là, on sera à l'abri. Il faut pas tomber, pas tomber. On va pas tomber. Tiens bien ma main. La torche. Il y a un trou dans la grille. Je vais soulever ça. Tu peux prendre la torche? Oui. Le sol est pourri. Amicia, comment je vais revenir? On va trouver, ne panique pas. Avec la torche, tu ne crains rien. Oui, mais toi alors? On va avancer ensemble. Comme ça, la lumière me protégera aussi à travers la grille. D'accord? D'accord. Voilà, on y va, doucement. C'est très bien. Là, tu veux la torche? Oui, il y a trop de rats de mon côté. Et moi, je passe par où? Le trou derrière toi, c'est la seule issue que je vois. Passe par là et je te rejoins de l'autre côté. T'es sûre? Si tu vois des rats, tu t'arrêtes. J'arrive tout de suite. D'accord, mais tu fais vite. Je me dépêche. Tu vas bien. Reste concentré.
lundis brûlent trop vite. Je ne pourrai pas les repousser assez longtemps. Attends, j'ai quelque chose pour toi. Parfait, merci. J'aurais pas dû te laisser tout seul. C'était trop risqué. C'est pas grave. Reste ici. Je fais vite. Je reste ici. Ta barre de croisée. D'ici. Oui, loin, loin d'ici. Ça m'a l'air bien mieux. Oh, c'est quoi cette chose par terre? T'es sûre qu'on doit passer par là? Oui. On est arrivé jusqu'ici, on va s'en sortir. Reste bien près de moi. Mais c'est quoi sur les murs? Je sais pas. C'est eux qui ont fait ça. Tu crois? Oui, on est dans leur nid. Ils vont être encore plus en colère alors. Amicia, il faut pas toucher les murs. Les vapeurs, ça brûle la gorge. La lumière. On y est. On y est, Hugo. Laissez-nous.
On a réussi. On a réussi. On a réussi. Amicia, je veux voir maman. Je veux pas qu'elle soit morte. Hugo. Je veux qu'elle revienne. Amicia, on n'ira plus jamais à la maison, alors? Non. C'est trop dangereux. Il y a des rats aussi, là-bas? Peut-être. Je sais pas, Hugo. J'ai peur qu'ils nous trouvent quand il va faire nuit. On sera à l'abri chez Laurentius. Allez, viens.